Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment faire pour que les personnes arrêtent de bouger tout seul. Par exemple, là, ils bougent tout seul. Du coup, je vais expliquer comment faire. Ou pour que quand vous tournez là, bah, ça bug. Genre, là, ma caméra, elle force pour tourner de ce côté. Alors pourtant que je tourne à droite et ça tourne à gauche. Regardez. Bref, là ça marche pas, mais ça a bugué, etc. Donc je vais vous apprendre comment faire. Donc c'est avec la zone noire. Donc vous allez dans vos paramètres ici. Vous descendez. Est-ce qu'il y a que vous trouvez attendez, je le trouve, je sais pas si vous l'enlevez ou pas. Attends. Au pire, si on fait ça juste pour voir. Non, bah je sais pas si l'enlevez, mais bref. En fait, votre zone morte. Voilà, en fait, c'est la zone morte, mais lui, enfin, à la base, avant, c'était marqué zone morte de stick d'observation, mais moi, je sais pas, je le vois plus. Bref, je remets juste ça deux secondes. Du coup, en fait, c'est la zone morte. La zone morte, bah, en gros, elle est trop petite. En fait, elle correspond pas à votre sensibilité de votre jeu. En fait, elle est trop petite. Voilà, vu qu'elle est trop petite, parce qu'on se fait bouger, c'est à propos de ses bugs, etc. Du coup, montez là. Par exemple, je vais essayer de la mettre, je sais pas, à 16. Parce que moi, j'ai une assez haute sensi. Et je vais juste régler ça 2 secondes parce que j'avais envie de la régler. Je voulais mettre 34 pour essayer. Bref, du coup, désolé s'il y a un peu en derrière. Bref, et du coup, là, quand je vais tourner, vous voyez. Genre voilà, là des fois ça bug encore un peu, c'est parce que ma sensi elle est trop haute, voilà, faut que je la monte encore un peu. Ma sensi elle est tellement haute, du coup voilà, on va la mettre à 20, on va tourner comme ça, ok, ça bug toujours. Au pire, pour que ça tourne plus. Regarde, ça bouge tout seul. Ça bouge tout seul, ça change tout seul, ça. Voilà. Alors, je peux quasiment pas bouger ma caméra. Oui. Oui. Ça va mieux que c'était. Et voilà. Vroom. Ça tourne, ça bug toujours. Mais voilà. Donc là, c'est bon, c'est parfait. Du coup, si vous avez une sensi à peu près, qui est presque à moi, parce qu'elle est assez haute, et ça sert à rien de recopier les sensi des autres, enfin, parce que voilà, ça sert à rien, c'est... Voilà. Parce qu'en fait, on n'a pas la même habitude. Même si on s'habitue, ce sera pas totalement pareil comme la personne va dire. Du coup, voilà. Ouais, du coup, ça sert à rien, mais vu que ma sensi, vous voyez, elle est assez haute, surtout pour modifier, et ben, voilà. Du coup, moi, je la mets assez haute, à 28, et du coup, voilà. Voilà. Du coup, moi, j'ai pas de problème, du coup, maintenant, encore un petit peu, ouais, bref, voilà. Et du coup, bah, c'était cette vidéo pour vous apprendre, bah, voilà. Et du coup, bah, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, ça m'a plu comme ça. J'aurais moins de bugs parce que moi, dans des maps, bah, je tourne et ça bug. Et là, ça bug aussi. Je parle pas de mes pings parce qu'ils bug aussi. Bref, voilà. Mais au moins, ça bug moins. Et voilà, du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et voilà.